Hey guys, Ninja Star here. Today we're gonna be doing mic scratches. And whispers. This is a popular request. AKA Tenacious. Say some stories. I think we're gonna do this in French and English because sometimes when you don't understand. Let's start from the beginning. My first. Was Christmas Eve, funny enough. I was wearing this white kind of fur jacket. I think my mom still has it, or she did hold on to it for a long time. She wanted my sisters to wear it too. She always dressed me up really nice. My mom has a good. Sense of fashion. I had like a little puff, like a little, I don't know what they're called. Where you put your hands in it. I don't ever remember her dressing my sisters like that though. Though I was pretty young. Anyways, it was Christmas Eve. And my mom's younger. I was wearing that coat with a little puff with your hands. And I'm not sure if this is a memory or more so maybe my mom told me because I told her my, like, the youngest thing I remember. But her younger would always borrow her car and never fill it up back with gas. I feel like I remember because she probably talked about it in her car. She probably
So you're leaving my grandma's house. And I grew up in a really small town. 10,000 population. And I'd say my grandma's house, we called her Mimea. Mimea, that's a French term for your grandma. You know, like when you have a grandma, you either call them Kamama or Mimea. I feel like if you're the cooler grandma. It's Mimea. And the more like my dad's mom was grandma, she's more strict, more proper. Anyway, so we were driving from my Mimea's house back home, Christmas Eve. And it's like there's only two ways to get from there. This kind of back way where you drive through the forest, but less traffic, just traffic. Or down like the street with all the homes. My mom took the back way. And we must have been about a kilometer from the house when her car broke down. I ran out of gas. Luckily there was like a water plant. And the guy literally was just packing up for the night and like going to his car, and I remember my mom. Saying she was kind of a little scared to go ask a stranger like for a ride home. Her being alone as a woman. But, you know, it was that or freezing. Like, it was a little far to walk from in the middle of the woods. You know, we could have wolves or bears. Anyways, I remember her taking me out of the car and saying to come with her. And that she was gonna ask for a ride. That's it, I think. The guy was super nice. Obviously gave us a ride home. Here I am. Non, mais là, je vais vous raconter mon histoire. En France. J'avais 3 ans. C'était la veille de Noël. Et on retournait de la maison de ma mère. Je sais pas si c'est une chose québécoise. Ou canadienne, mais on appelle soit nos grands-parents, grand-maman, ou
ma mère. Tout comme ça ne se pige, ma mère, c'était comme la grand-maman populaire, I guess. Cool. Cool. Et elle était super cool, ma mère. Oh my god, j'ai tellement d'histoire. La mère à mon père, on l'appelait grand-maman. Très strict. Enfants. T'as pas le temps d'être cool. En tout cas, c'était la veille de Noël. Et on conduisait. Je vivais dans une petite ville, 10 000 personnes. Donc, c'était peut-être 2 kilomètres. Je suis pas sûre. J'aimerais. Quand je retourne, parce que mes parents ils vivent encore. J'aimerais calculer comment loin la maison de ma mère était. Et on, le frère, le petit frère à ma mère. Il utilisait toujours son char. Puis, il utilisait, puis il remettait pas du gaz dedans. Donc, ce soir, le soir-là, on retournait, c'était la veille de Noël. Je suis sûre, ma mère, elle avait des cadeaux pour nous. Et il y a deux manières de conduire de ma mère à la maison à maman. À ma maman. Ma mère. Une manière, c'est d'aller sur la route principale avec toutes les maisons. Et l'autre manière, c'est d'aller, c'est comme un back road, je sais pas si comment on appelle ça, comme tu vas à travers la forêt. Donc, ma mère a pris cette route, je sais pas pourquoi, comme une femme prendrait la route là, ça prend la même distance, mais je penserais que l'autre, la route de la forêt est trop loin. Aussi, ma mère, elle avait le plus beau manteau de fourrure blanc pour moi, avec la petite poche pour mettre des mains. Je portais ça. Et comme tu peux deviner, on a manqué de gaz. Je me rappelle une neige où il y avait beaucoup de neige. Un hiver. Nord. Et on a arrêté exactement dans l'usine. Je sais pas si c'est une usine. C'est où ils nettoient l'eau. Était pris là par chance. Le gars qui travaillait là
il sortait à ce moment. À ce moment qu'on était pris. Je me rappelle, ma mère, elle disait qu'elle avait un petit peu peur d'aller parler à un étranger. Mais c'était soit ça ou rester gelé dans la neige. Je sais pas si on aurait pu marcher, mais avec un enfant de 3 ans, ce serait peut-être un peu difficile. Et c'était noir. En tout cas, me sortir du char. Puis elle était demandée à l'homme s'il pouvait nous conduire à la maison, que ça serait pas loin. Après ça, c'est tout, je me rappelle. Je me rappelle même pas aller dans son char. Peut-être un petit peu. Same story, but in French. Just gives gratitude. Ça c'est mon histoire.